Par exemple, vous prenez un vol pour le Maroc. Ouais. Et par erreur, l'avion atterrit aux États-Unis. En tant que bon croyant, tu restes ou bien tu te retournes? Bonsoir à tous et à toutes. Ici votre Kéti de la bonne humeur. Bienvenue dans votre émission de divertissement. La question du jour est aussi simple. Tu prends un vol pour le Maroc et par erreur, l'avion atterrit aux États-Unis. En tant que bon croyant, tu retournes ou tu restes? À tout de suite. Bonsoir mon grand. Bonsoir madame. Vous allez bien? Ouais. C'est quoi votre nom s'il vous plaît? Moi c'est Ismaël Bamba 224. Ismaël Bamba 224. Vous faites quoi dans la vie? Moi, je suis élève pour le moment. D'accord, j'ai une question pour vous. Ouais. Par exemple, vous prenez un vol pour le Maroc. Ouais. Et par erreur, l'avion atterrit aux États-Unis. En tant que bon croyant, tu restes ou bien tu te retournes? Je prends un vol pour le Maroc. Pour le Maroc. Le but, l'avion atterrit par erreur en Amérique. Par erreur en Amérique. Comme déjà, l'Amérique est mon pays de rêve. Moi, l'Amérique est mon pays de rêve. Je ne peux pas quitter en Afrique. Pour atterrir aussi en Afrique. Je reste en Amérique. Moi, si c'est moi. Mais c'est par erreur, l'avion a atterri là-bas. Par erreur, toi, tu es un bon croyant. Je suis un bon croyant. Je ne peux pas encore retourner en Afrique. Pourquoi tu ne veux pas retourner en Afrique? Tout le galère. Il n'y a pas d'argent. Nous sommes au chômage. C'est juste ça. Qu'est-ce qui pousse le chômage pour toi? Qu'est-ce qui pousse le chômage? Parce qu'il n'y a pas de projet. Selon moi, il n'y a pas de projet. Tout simplement. Il n'y a pas de projet. Est-ce que tu as créé un projet quelque part? Comment créer un projet? Tu n'as pas d'argent. Quand tu entends projet, c'est au fond. Ou soit aux banques, ou soit sur l'Orange Money. Tu vas fuir, frérot? Je vais fuir, wallah, je vais fuir. Sauf que tu dis wallah. Je jure, je vais fuir. Donc tu ne comptes pas revenir en Afrique? Je compte revenir, mais quand j'aurai un peu de pognon, je vais revenir en Afrique. Pour venir aider la famille. Maintenant, comment tu vas avoir de pognon là-bas? Ils vont gâter mon nom, surtout comme nous sommes des Africains, c'est comme ça la vie. Ils vont gâter ton nom comment? Comment? Ils vont dire, un Guinéen est rentré en Amérique sans papier des choses de l'Amérique. Parce que j'ai déjà ces papiers du Maroc que j'avais. L'avion atterri par erreur en Amérique. Ils vont dire ça partout, à la radio, à la télévision. Mais tu préfères ça? Je préfère ça. Gâter le nom d'un humain, ça le pousse aussi de faire quelque chose de bien. C'est ça. Mais quand toi tu pars aux États-Unis, qu'est-ce que tu comptes faire là-bas? Moi, quand je rentre aux États-Unis, quand je rentre là-bas, je suis élève, j'avance. Toujours. Sur les études? Sur les études. Mais comment tu vas faire pour te payer la scolarité et tout? Une belle question. C'est aussi difficile, hein? Mais comme nous sommes Africains, en Afrique, tu travailles, tu peux étudier, tu travailles, tu peux étudier. Je peux faire ça encore là-bas. Si je peux faire 2 heures de travail, 3 heures d'études. 2 heures de travail, 3 heures d'études. Si on t'envoie là-bas, quel travail que toi tu peux faire là-bas? Moi, comme déjà en Afrique, j'ai essayé de faire le beaux-arts, je sais faire les dessins, je sais aussi faire la calligraphie, la sérigraphie. Je peux faire ça aussi là-bas. Donc tu vas faire ça là-bas pour t'en sortir. Ouais. Mais tu ne comptes pas revenir en ce moment quand même. Je ne compte pas revenir en Afrique quand même. Trop de solaire, trop de galères. Trop de galères. Wallah, trop de galères. Donc toi, tu ne vas pas retourner, Féo? Là, je ne veux pas me retourner en Afrique. Tu préfères fuir et rester là-bas? Je préfère fuir et rester là-bas, même mourir là-bas. Et aider la famille aussi ici. Si la famille est bien ici, c'est fini. Quand Ismaël a fait ça, dis merci. Ça te donne du bonheur. Tout simplement. Mais tu ne vas pas revenir? Je ne veux pas revenir. Là, je ne veux pas revenir. Ouais, merci beaucoup, Ismaël. Merci. C'était un plaisir, Bamba. Hein? Ouais. Prends un vol pour le Maroc. Oui. Et par erreur, le vol atterrit aux États-Unis en tant que bon croyant. Est-ce que tu vas te retourner ou tu vas rester aux États-Unis? Bon, ça dépendra de ceux qui m'ont déposé là-bas par erreur. Si ils désirent que je me retourne, je vais me retourner. Ah, donc toi, tu vas te retourner. Voilà, c'est si ça ne dépend que de moi et qu'il n'y a aucun... C'est-à-dire qu'il n'y a rien, aucune réclamation de retour. Je préfère rester. Vous allez rester là-bas? Oui, je vais rester parce que je ne reçois aucune réclamation de retour. Mais au cas où on m'exige de me retourner parce qu'il y a une erreur, là, je suis obligé de me retourner. Donc vous n'aimez pas les États-Unis? Ou bien vous voulez juste partir? J'aime les États-Unis, mais je ne vais pas insister, rester dans un état qui n'est pas normal. Mais si vous avez l'occasion de vous enfuir, est-ce que vous allez... Je ne le ferai pas parce que m'enfuir me mettra dans un état de voleur
voyez, sans fuir, je serai d'abord pourchassé dans un lieu où je ne connais pas. Au cas où j'ai la malchance, je serai dans la tôle, c'est-à-dire je serai en prison. Donc vous allez retourner. Voilà, je préfère me retourner être en paix que de rester là-bas avec des problèmes. Si on vous disait de faire un choix, par exemple, on te dit de faire un choix de rester aux États-Unis ou en Guinée, tu préfères quoi? Bon, un choix, lorsqu'on me demande de rester par choix, je préfère les États-Unis parce que j'ai beaucoup de choses à réaliser. Et là, les ressources d'ici sont, pour les États-Unis, ça peut être plus rapide que moi de réaliser mes rêves que de perdre assez de temps ici en cherchant à réaliser ses rêves. Mais comment tu vas réaliser tes rêves là-bas aux États-Unis, dans un pays que tu ne connais pas en fait? Bon, arriver là-bas, parce que j'ai étudié, je peux mettre en valeur tout ce que je connais et je peux aussi chercher à me former pour quelques années. Et après, je me retrouve la tête un peu élevée parce que je comprends l'anglais. Là, j'aimerais encore améliorer, arriver là-bas et je crois que ça serait une chance pour moi de pouvoir m'en sortir et de gagner ma vie. Vous avez quel projet à réaliser là-bas? Bon, si je suis là-bas, je cherche d'abord ma formation. Après ma formation... En quoi? La formation en quoi? Bon, je suis un gestionnaire et encore je suis traducteur, c'est-à-dire interprète. Donc, lorsque je serai là-bas, je vais améliorer mon anglais et aussi trouver à pouvoir améliorer aussi... C'est-à-dire mon licence en gestion des ressources humaines ou gestion des entreprises. Là, j'aurai un bon diplôme. Même si que je vais revenir ici, je serai vraiment valorisé et je n'aurai pas à rester ici à perdre du temps parce que j'ai étudié aux États-Unis, dans un pays encore plus qualifié. Donc, ça va me permettre de pouvoir être valorisé dans ma carrière et encore, ça peut me permettre de travailler là-bas. Voir réaliser là-bas, réaliser pour mon pays aussi. Bonne chance à vous. Merci beaucoup. Portez-vous bien. Un plaisir pour moi. Ma grand, bonsoir. Ouais, ça va. Ça va bien. Parfait. Itangalidi. Savito Kamano. Savito Kamano. Ina wali mundo. Chauffeur. Chauffeur nanera. Question nina nanira beto. Kafama le costo. Awa costo nina nanira beto. Ifa avion tongo ya kosi. Siga fe ma Maroc. Mais nan avion fa tantan, afa sa atterri États-Unis. Et ta nara, il y a un peu de mal. Ah. Donc, il t'a moi malou fait Maroc, son. Moi, le Maroc. Moi, le Maroc. Parce que, vendez mes Maroc à Oro. Moi, il n'a même pas Oro. Mais avion, t'entends, on a fait un gros men. Ah, allons-y. Parce que, avion, ma gros men, n'a même pas Oro. Donc, il t'a moubile ma fille. Moubile ma fille. Mais t'as un loup men, il va le monde là-bas. Voilà. En lui-même, il va. Regarde, comme je fais un barbe. Non, on livre là. On a un mot de 15 ans. On le prend là. Donc, il fait Igi Mane. Ah, il a Igi Mane. Igi Madi. Andi. Andi, je ne sais pas si tu as dit que 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 tu as Je ne sais pas si tu as un peu de temps. Olha, 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 olha,
Wallahi. Et anglais dit. Vito Kamanu. Kamanu Rame. Donc il se gamaye na. La Guinée ko lio mi masono. Ah. Wallahi, la Guinée wala mari ma. Azelat nayi, ko bi nayi. Non le la Guinée. Ma ko da munaye, wala la gedandi. Nya. Oh, merci beaucoup. Ah, merci. Bye bye. Bonsoir. Bonsoir madame, vous allez bien? Ça va et vous? Oui, ça peut aller. C'est quoi votre nom s'il vous plaît? Mon nom c'est Bangoura Mustapha. Bangoura Mustapha. Soussou français, malinké, n'importe quoi, vous voulez qu'on parle quand quelle? Moi je suis guinéen. On parle en français? On peut parler en français comme en soussou. D'accord. Je peux vous tutoyer? Il n'y a pas de souci. Hein. D'accord. J'ai une question pour toi. Ouais, tu ouais. prends un vol pour les ouais. États, pour le Maroc, je m'excuse. Ouais. L'avion atterrit par erreur aux États-Unis. Ouais. Si c'est toi, en tant que bon croyant, ouais. tu vas te retourner ou tu vas rester là-bas? Moi? Ah, là-bas, la croyance est morte. Hein. Donc? Elle est morte. C'est impossible que je ne retourne. Mais pourquoi? Amérique. Vous parlez de l'États-Unis, non? Amérique, oui, les États-Unis d'Amérique. Ah, c'est impossible pour moi de me retourner. Mais pourquoi? Parce que j'aime l'Amérique plus que le Maroc. Si on te dit de retourner en Guinée, tu ne vas pas retourner chez toi? De retourner en Guinée? Pour faire quoi? Mais chez toi? Mais jamais. Chez moi, mais pas, voilà. Il faut comprendre. Donc tu aimes les États-Unis plus la que... Galère, là, la galère est née ici. Il y a quelle galère ici? Ah, c'est difficile même de désigner. Hein. Tu fais quel genre de travail? Je fais plusieurs travaux. Je viens de terminer mes études cette année. J'ai fait l'électricité industrielle, les bâtiments à la fois. Donc tu comptes pas retourner, même si on te cherche. Si je m'en vais là-bas en Amérique, c'est impossible pour moi de me retourner. Même si on prend ta photo, on met sur les panneaux publicitaires. S'ils veulent, n'ont qu'à déplacer la Guinée pour me chercher. Si je me retrouve là-bas, c'est fini. Comment tu vas faire? Comment je vais faire? Je vais communiquer avec ma famille, c'est tout. Juste ça. Juste ça. Hein? Tu vas te cacher où exactement? Ou bien tu... Me cacher où? J'ai plusieurs portes là-bas en Amérique, hein? Beaucoup même. Beaucoup, ça finit pas. Pourquoi tu tiens autant aux États-Unis? Vraiment, logiquement, mon rêve, c'est de jouer au football. Je sais qu'il n'y a pas trop de football en Amérique, mais quand je vais là-bas, je peux progresser facilement. En faisant quoi? En jouant au foot? En jouant au foot, oui. Donc, tu n'as pas d'autre boulot de rêve que tu peux faire là-bas? J'ai d'autres rêves. Hein. Mais ce qui est primordial pour moi, là, c'est ça. C'est le football. Donc, tu ne comptes pas te retourner si tu pars là-bas? Je ne vais pas me retourner. Je préfère faire 15 à 20 avant de me retourner. Moi. Mais c'est pas erreur, tu as atterri là-bas. Ah, l'erreur là est cool pour moi. Cool pour toi? Ouais, ouais. Tu sais, parfois même les erreurs sont cool. Hein. Il y a des erreurs au moins qu'on peut accepter. Donc ça, moi, j'accepte. Et ton cœur reste ouvert? Ouais. Tu m'oublies, ma fille? Nous, bilingues. Qu'on a créé par les témoins.